le numéro 50, autrement dit, brave mansonien, qui nous est présenté par Isabelle Simon du Hara des Marais, dans la Sarthe, à Boissé-le-Sec exactement. Brave mansonien nous est donc présenté par le Hara des Marais. Il fait la monte à 1 500 € la CI, poulain vivant cette année. C'est un fils, donc, comme son nom l'indique, de mansonien, qui fut il y a quelques années l'un des meilleurs pères de gagnants en obstacle et qui est désormais l'un des meilleurs pères de mère dans le classement des chevaux d'obstacle. C'est donc un petit-fils de type Moss. C'est un petit-fils également de Solide Illusion qui a très bien produit en obstacle et est issu d'une riche famille qui a réussi elle-même sur les obstacles. C'est un fils de Tiki Sol. C'est donc le petit-fils de la gagnante de groupe 1, Tikiti Dancer, qui est déjà née en 87, qui remonte déjà. Il est arrivé plutôt au Hara des Marais, en cours de saison de monte 2016, ce brave mansonien. Il faisait auparavant la monte au Hara de Talmain, entre autres, donc dans le nord-est de la France. Et il a eu ses premiers produits qui sont gagnants à Auteuil, comme lui d'ailleurs. Brave mansonien était gagnant à Auteuil. Il a battu des chevaux d'Auteuil. Il a battu, entre autres, Remember Rose et Mid Dancer, deux chevaux de lauréat du Grand Cipèche-S de Paris. Donc brave mansonien a battu ce type de chevaux, ce calibre de chevaux, entre autres. 1m65 pour brave mansonien, fils de mansonien donc, qui fait la monte au Hara des Marais à 1 500 € la CI.